L'association d'ISOR a démarré en 2006. L'objectif de cette association, c'est de permettre aux gens d'apprendre les rudiments du shiatsu et d'accéder à une formation. Une formation qui est une formation à l'ordre du shiatsu pour la famille jusqu'à la professionnalisation. Nous essayons, disons, de donner cette possibilité aux gens pour pouvoir faire un travail au niveau des EHPAD, au niveau des hôpitaux, des choses comme ça, avec qui on crée des conventions pour pouvoir travailler pour le bien-être de nos anciens, de nos malades. Déjà, dans un premier temps, le public qui est là, qu'on voit au fond, ce sont des élèves qui viennent là pour une formation professionnelle. Il y a des gens qui ont changé d'orientation professionnelle et qui veulent entrer dans cette technique qui est une technique de bien-être. Le public auquel on s'adresse, ce sont des gens qui sont soit des enfants, des personnes âgées et de tout âge. Les activités, disons, c'est d'abord les cours qu'on fait, mais on a des prérequis. Les prérequis sont par exemple le secourisme. Notre association est une association qui a déjà formé plus de 250 secouristes, ce qui n'est quand même pas rien. Et surtout aussi, on a un contrat avec Alexis Motrain, notre professeur de journal, pour aider la recherche sur le cancer. Et on fait ça depuis au moins une quinzaine d'années. Dans cette école, nous sommes déjà deux enseignants et trois ou quatre praticiens agréés par la Fédération française de shiatsu traditionnel. Nous faisons également une partie, disons, du syndicat des professeurs du shiatsu. Et ce syndicat des professeurs du shiatsu a reçu l'agrément, disons, du ministère du Travail. Et nous sommes donc reconnus comme professionnels et spécialistes en shiatsu. Cette association a pour objectif d'apporter du bien-être, permettre aux gens de pouvoir avoir une action sur leur propre santé. On a aussi bien les conseils diététiques, les conseils de vie, mais également on les accompagne. Et on est là pour venir au soutien. Donc ça, c'est notre objectif de l'association. C'est vraiment d'être proche, plus proche de la demande des gens pour leur apporter du bien-être.